Et notre bulletin encore, merci pour Gaza. Rendez-vous. Un regard bon grand titre sa bulletin pour ça lundi le 26 mars. Haïti met en place un nouveau système de traitement de l'eau pour un traitement pour filtrer de l'eau sale qui sort de son usine. Aussi, aujourd'hui, chef exécutif Thai Union avec son délégation qui rencontre le président Danifor State House. Distribution de la terre pour région Sid et Kwasmae est expectée commencer salonner. L'autorité mérite couple la quantité de licence taxi qu'ils ont donné et en a plus contrôle aux taxi pirates, demande fait par driver taxi local. L'enquête a commencé dans 10 faits qui occasionnent la mort plus qu'un 70 personnes la Russie. Bon détail à présent. Ayotin dit investi 8 millions d'euros dans un système de traitement de l'eau qui sorti dans son usine. Ça pose un grand effet par la compagnie Transit Global Water Engineering, GWE. Responsable sécurité et la santé de l'environnement côté Ayotin, Marc Benoiton, indique qu'ils ont une fête à poser. Vous autres faire 6 autres zones standards que le gouvernement a mis pour 2020 pour bon la compagnie faire pas pour sauvegarde qualité de l'environnement qui dit monde y vivent là-dedans. Ayoti organise une petite cérémonie bon matin pour officiellement montrer sa bonne tech. Ayoti investit 8 millions d'euros dans un système de traitement de l'eau qui sort dans une usine. Ça pose un grand effet par la compagnie étrangère Global Water Engineering, GWE. En tout, il y en a 5 tanks qui mesurent 13 mètres de hauteur avec une capacité pour prendre entre 2700 à 2800 mètres cubes liquides. 3 tanks pour un service pour mettre de l'eau sale et 2 tanks pour un service pour mettre qualité résidu pareil la boule là-dedans. Cérémonie pour montrer sa bonne tank, c'est fait en présence ministre responsable pour l'environnement Didier Doclé et ministre responsable pour la paix Pamela Charlette. Et aussi président Thai Union Thiraphong Chansiri. Sa bonne tank pour commencer un service à partir de semaine prochaine et pour venir opérationnel entièrement en un seul année. Responsable sécurité et la santé de l'environnement côté Ayoti, M. Marc Benoiton, il dit que vous avez fait sa pose pour vous faire 6 autres standards que le gouvernement met pour 2020 pour bon la compagnie faire autres pas pour sauvegarder la qualité de l'environnement qui dit mon vivre là-dedans. Il y a aerobic treatment plant quand nous pouvons servir l'oxygène avec bactéries pour disesser sa bonne protéine, sa bonne quelque chose qui dans de l'eau pour faire vivre propre. Aujourd'hui, nous avons un sludge qui vraiment la boue, qui pue, qui a une quantité de protéines dans le corps pourri. Le sang qui l'a fini, ça sludge est le digester. Et le sludge est sorti, il est déactivé, il n'est plus dans la vie. Il y a un sludge qui est mort, n'a pas aucun odeur, il est sec, il n'est pas pour la boue. Et il est très high in phosphorus, in nitrate, so, est vraiment bon, un bon fertilizer. Donc, so, nous expectons qu'il s'aille pour aider. Pour réduire la quantité de saleté que nous envoyons de l'enfer. M. Benoiton dit que les ingénieurs prennent toutes les précautions pour éviter que l'incident qui a été cassé en 2015, qui tient dommage plusieurs propriétés, n'arrive encore. C'est une donnée garantie 20 ans. Tout de même, un savier tank peut déjà commencer à couler. 5 ans, nous avons démolé ça l'année. Nous avons servi pour stocker un peu de l'eau, c'est la moitié, c'est 50%. Nous pouvons faire ici. Qui nous pas pour les tanks juste debout là, c'est une ville, les papiers servis. Si les papiers servis, nous pouvons démolir de suite, nous pas pour les tanks à 6 heures là avec des lois d'appareil, ça va encore. Il y a plusieurs éléments tels que microbes, phosphate et nitrogen qui dépendent de l'environnement et demandent une factory pour garder un certain niveau avant qu'ils aient un résidu dans l'environnement. Et le ministre Doclé dit qu'avec son nouveau système de traitement, IoT pour capable joint tout standard. Pelétan, nous peut travailler avec IoT pour faire ci, pour dire IoT met bon minimum standard qui gouvernement set pour l'air, après aussi pour de l'eau qui ont lagué dans l'environnement. Et pendant tout l'état, nous pas besoin, nous pas met ça minimum standard. Déjà, tu fais une grande amélioration dans le travail que tu fais, mais seulement il y a encore un grand travail pour faire. Donc, ça l'investissement qu'ils ont fait là, et finalement. Il clair pour j'ai besoin de nos bons minimum standards et pour ça nous vraiment apprécier ces efforts qu'ils ont fait. Ce système de traitement et aussi la gaz méthane pour qu'il puisse faire son travail. Et à l'avenir, IoT est envisagé convertir sa gaz en énergie pour produire 50% d'électricité pour IoT servir.
Dans même l'année, Thai Union, c'est la compagnie qui est propriétaire de l'usine de l'océan Indien, IOT, peut faire plus l'investissement que son facilité ici. Président et chef exécutif Thai Union Group PCL, M. Tirafong Chansiri, qui dit ça après qu'il s'est rencontré président Danny Ford State House pour matin et est aussi accompagné par une délégation aux officiers de la compagnie. Thai Union Group, qui est propriétaire des usines dans l'océan Indien, est une plus grande compagnie dans le monde qui fait des produits fruits de mer. Il y a 13 usines dans inclut IOT et les autres qualités d'usine. Tous les ans, les officiers sortis de la compagnie et visitent CCL pour voir comment les opérations peuvent faire ici. Bon matin, le président et chef exécutif Thai Union Group PCL, M. Tirafong Chansiri, et que des les autres officiers sortis de la compagnie, ainsi que le directeur général IOT, ont rencontré le président Danny Ford. Je suis servi à l'opportunité pour remercier lui pour son support et pour partager avec lui les engagements à long terme CCL. This year alone, Thai Union have committed to invest close to 30 million euros, of which 8 million we already have completed the construction of our new wastewater treatment. 11 million will be for our improvement of the dock and cold storage in IoT. 5 million it will be for our housing project for our expat. So that's almost 25 million. We also have additional 5 million for the improvement of our facility. So this year, it's the investment that we have committed alone for this year. It has shown our long-term commitment to this island. Monsieur Sven Masson, qui est directeur stratégique pour Thai Union Group, il dit qu'il y a Yoti, il y a une bonne usine dans le monde qui se considère comme vraiment important pour vous, pour vous envie d'investir plus là-dedans. We have only a very few strategic plans where we want to invest heavily and build the network around it, and IoT is part of this one. So, I mean, for no doubt, IoT is nicely placed in the Indian Ocean, so where the fish migrates around this island. So the idea is right now also to debottleneck it to the extent we can. And as you have previously heard from my chief, Khun Thiraphong, we are investing a lot in this facility. So only this year there is an investment plan of only 25 million euro investing in IoT, and that will continue in the future. Un bon défi important que la compagnie peut faire face avec, c'est pour gagner plus de ses lois pour travailler avec l'usine. M. Chansiri dit pour sa raison qu'il nous amène ainsi ses lois comme directeur général, M. Nicole Elisabeth, pour diriger l'opération ici. We want to show to the locals that if you work hard, you can have a very good job, which is very important for the new generation of the people here. And we need more people, especially from the locals, to work, especially in engineering field, also in the administration field. We still have lots of opportunities for the locals. Nous faisons ça open day dernière fois. So far, so good. Nous gagnons pénon from new returning graduates to même des gens qui avaient travaillé le floor. Et nous continuons à pousser. Et mon bip et mon dit, mon plus premier, moi beaucoup, c'est celui de travail qui est étranger. Mais c'est moi, malheureusement, nous pas beaucoup faire tout étranger à ces autres. Je ne sais pas si c'est loin. Mais je peux dire que c'est loin. Nous avons dit la question de package aussi, la question de faire du monde qu'on est vraiment, qui peut passer dans IoT. Et ça, c'est un problème aussi, que vous ne pouvez pas bien travailler local. Ça, il y a une bonne chose qu'on dit comme si on fait ressortir avec vos boss comme ça. Oui, fully aware, il vient de CCL depuis l'année 2010, depuis les autres, il fait acquisition de l'usine. Mais il est fully aware, il peut supporter. Nous, même dit président, pour dire qu'on est content, qu'il sa pouche. Avec le ministère de l'Employment, as well. Même les gens qui ont un balage vocationnel, dans le bon training nécessaire pour l'avenir. Ministre responsable pour l'habitat a annoncé qu'il s'allonge et pour commencer à distribuer la terre dans la région Sid et Kwas Mai. Ça, après sa même rencontre, le ministre responsable de l'habitat a annoncé un nouveau système point la case avec bon membre de l'Assemblée nationale, avec bon administrateur district. En tout, il y en a 350 bouts de la terre qui peuvent distribuer s'allonge. Allocation la terre avec différents dimons pour commencer dans la région Sid et Kwas Mai. Tel qui Belaza, Ansboalo, Poglo, Ansoyal. Ministre responsable pour l'habitat, Charles Bastien, dit de sa bonne district qu'il y en a plus la terre qui demande.
bandi moun ki dam de sa ban région ki moun mentionné zo toujours pou gay créé ki tombe de 1758 en effet on a 403 di moun ki tombe de sa région so tout ça 403 di moun zo pou gay créé soit si zo pe mit critère pour gagner morceau la terre et deuxièmement si zo pa pe gagner morceau la terre à cause zo pa pe mit critère pour nous donne zo tel et council zo à cause zo pa pe gagner sa morceau la terre so c'est ça l'exercice qui nous pour faire le base régional nous pas capable là pour nous handle 1758 di moun district Asbalo il y en a 38 bout de la terre qui pour gagner distribuer ça l'année. Il y en a pas les autres land bank qui belaza puis travaille là en effet tu dis moi peu près il y en a 92 bout de la terre. Est-ce que au ministère peut considérer ça peut-être sa proposition qui ça dit et faire et peut-être pour nous suivre pour nous capable développer ça dans bout de la terre pour qui plus di moni il y a pas gagner chance ça gagner bout de la terre. Évidemment première considération gagner donner avec di moun belaza de Capoue qui mit critère. Moi quoi en 9 ou bien 10 di moun là qui mit ça bande critère, évidemment zozo gagne loket en premier. OK? Si mon parler mon point développe 92 mon sur la terre Belaza, est-ce qu'il mon point na bande di moun Saint-Louis, mon Bixton, les autres endroits pour les bouser pour hôtel Belaza. Ou bien est-ce qu'il mon regarder côté qui nous dans la terre avec ressources qui nous en pour nous al développe ça bande la terre que nous connaît pour dire la majorité les autres di moun côté district Paris Belair, Saint-Louis, mon Bixton qui n'a pas la terre. Il y a pour n'a pas aucune grande difficulté pour autres bourses de sa balle dans droit. Est-ce qu'il y a un potentiel pour autres capable faire descendre cette sol qui capable permettre plus de monde dans sa ma région en gagner assister à la mobilité ta ka makay na 44 applicants 45 applicants 46 applicants 3 qui passe 75% avec financièrement able. On peut pas aller pour dire ta marca Poglo Belaza li a causé dans la terre li nous pour faire descendre pour lui sorti 75 pour venir 70 c'est mais pour plus de monde qualifié mais vu qu'il y a quelque chose national nous peut prendre dans contexte national. OK, so pour faire les descendre non mais seulement dans l'autre cycle par mon dit dans l'autre cycle en mesi nous get demand nous get supply le base national il est capable gagner descendre dépendant le supply la terre qui nous en a. Ban di moun ki pa satisfè ban kritè an bas sa nouvo sistèm pou la tè, minis Bastieni di ki yon a les ot polisi pou zot. Nou tòchè nan di social housing et land bank. La ki nou n'fè nou n'fè si moun an social housing, ok, ki nivou pli ba. A prezan mezi sa yon kam sa di moun yon monte, yon kal lo self-finance. Ako self-finance pou li mouman pou la kaz dat 560,000 a 650,000. Apre ou monte pou al sten bout la ter pou ka fe ou la kaz ou la yvin lout nivou. Apre lout nivou pli yo nan a kondominium. Kout kondominium la li pete ti ban pri pete tabay milyon roupi. Ok? Isa nivou. So nan a ban diferan fakte koute di moun diferan produ kout kapab antre la dan la kome la kompare avik lontan. Yo konen grande man pou la ter de peyi. Ça l'année la quantité la terre qui peut donner et pas ni même la moitié ça 1758 di moun qui peut au debout de la terre activement. Avec taxi lo pralin dit que l'autorité il mérite couple la quantité license qu'ils ont donné di moun qui voulait entrer dans business taxi et prendre plus contrôle le taxi pirate qui peut affecter les autres business. Soti dit ça des rencontres qui t'y fait dans centre communautaire Grand Anse pendant week-end. Sa meeting t'y assisté par un quarantaine driver taxi Los Azil représentant l'association taxi et TMN Seychelles Labor Union. Système longtemps pas tu parles comme là. Comme là le code l'hôtel partout en queue. Partout l'hôtel. Mais seulement nous style tendez pour dire que l'hôtel pas paiement assez. Moi un driver taxi qui baisse normalement airport. Le côté airport n'a pas rien qui pas fait mais c'est mon pays dit il 100% qui marche bien. Nous pas gagner de système non. Mais moi me connais le côté la chaussée driver taxi il vraiment souffre d'une quantité à cause de sa travail pas pe gagner contrôler Paris des brigands contrôler. Ça tu pas de la blache quand en plus que 40 ans depuis qu'il a business taxi. Et tu parmi sa quarantaine des autres driver taxi qui t'ont bien assisté sa rencontre. Je rappelle qu'il y a un groupe driver taxi qui récemment si a envoyé une pétition pour le président Danny Ford, que tu fais certaines demandes. Et puis, tu as un comité qui a formé et tu as besoin avec le ministre responsable pour le transport de la terre, Charles Bastien, et ministre pour le tourisme, Maurice Lousteau-Lalanne. L'association driver taxi et sa comité qui peut négocier peut gagner si pour le président de l'Union travailleur Alain Saint-Ange. L'objectif de sa rencontre dans le centre communautaire Grand Anse, c'était pour écouter la voix de driver taxi au pralin et amener les autres bandes concernées devant.
chairman de l'association Driver Taxi, Jimmy Bonne, il dit qu'ils sont bons collègues, nous prenons l'un, puis passent à travers certaines difficultés qui sont aussi graves qu'ils l'ont maillé. C'est-à-dire, les mots causent difficultés, nous causent c'est par rapport avec taxi pirate qui peut voler le travail sa bande de monde, et ils peuvent soutirer par certains DMCs, certains l'hôtel, et aussi certains établissements, les autres établissements touristiques. M. Bonne dit qu'il y a un problème qu'il avait taxé et passe à travers. Il souvent gagne mettre devant, mais l'autorité fait autre tour en rond et ils emmènent dans une solution. Mais quoi qui problème plaisant qui mérite de gagner adressé? Là, la quantité de taxis qui peut continuellement augmenter et ça bande 10 personnes qui peuvent voir les autres à the end of the day n'a pas travail pour les autres ou bien n'a pas assez de travail pour les autres. Par le fait qu'ils nous connaissent pour dire aujourd'hui l'industrie tourisme. Lui-même, en fait, il a une nouvelle dimension. Quand nous avons beaucoup de touristes haut de gamme qui viennent chez eux, et alors, dans l'hôtel, surtout dans le taxi qui peut baser dans l'hôtel, ils peuvent voir sa nécessité pour avoir un transport qui est vraiment assez confortable et qu'ils ont considéré qu'ils peuvent travailler avec l'hôtel. Alors, ça y est. Et basé sur le CMSAN, point là, nous voyons pour dire important que le gouvernement implémente ce qu'il déjà appelle quota. C'est-à-dire, pour suspendre un peu sa bonne licence qu'ils ont pu donner, c'est-à-dire mettre un frein avec, n'avoir ensemble à l'avenir, si nécessaire, pour nous continuer à donner encore ou bien non. M. Bonne dit à travers sa comité qui peut négocier avec la bonne autorité, il y a une initiative qui nous mène les drivers ensemble. M. Lablas peut demander les autres drivers taxis de pays pour joindre l'association pour faire plus la force. Sa driver, avec beaucoup d'expérience, il dit qu'il a tenté l'air pour mener un comité pareil qui pour négocier les autres parts. Mais bon, moi, ça a été très bien. Moi. À cause de même, mon choc, quelque chose qui m'a choqué, ce comité de mettre devant qu'ils ont une follow quelques dix monde qui en a un mité dans le transport. Moi, je demande à l'école, mais qui m'a dit un mité quand il doit aller dans le transport privé qui ça devrait passer devant le ministère. Côté Saint-Chortibel, mais moi, je vous dis, là, nous besoin. Nous payons off, nous besoin de tourner bien l'autre droite. À cause si un mitaire, il y a des transports privés, avec tout le monde qui a des transports privés, il doit mettre un mitaire. À cause de mitaire, il est calibré par l'un transport. Et ça, mitaire, il est servi, d'après mon comprendre, dans un transport privé. Nous payons des, mais qui m'a dit ça, mitaire, il fait rentrer dans un transport privé. Ça, il y a un gros problème, ça. Les officiers dans le département légal, commission commerce 10, FTC, pour gagner information, pour les autres plus bien capables de défendre les droits consommateurs. Vous pouvez suivre cours dans différents domaines légaux, Sud-Afrique, 11. Ça évite après que sa commission ait signé un accord avec le tribunal national pour consommateurs, NCT, Sud-Afrique. Presque tous les jours, nous achetons quelque chose dans un magasin quelque part, ou bien nous payons pour un service. Et malheureusement, pas tout ça mon transaction vente acheter qui bien fini. Certains consommateurs pas satisfaits qu'ils ont une grande valeur pour leur argent. Et les autres réclament leurs droits. Ils roulent département affaires légales côté commission commerce ZIS FTC pour donner d'autres conseils. En ligne avec sa mission, chef exécutif FTC Francis Lebon signe l'accord avec chairman tribunal national consommateur Sud-Afrique NCT professeur Joseph Maseko. Sa signature t'y fait de présence ministre pour finance, commerce et planification économique Peter LaRose et que des membres de l'Assemblée nationale parmi les autres invités. We hope that all the logistics are in place so that our staff will benefit and will keep the legal success rate very high in ensuring that we give the sufficient remedy to the consumers of Seychelles. Chef exécutif commission commerce ZIS FTC Francis Lebon dit que sa formation pour renforcer la capacité des officiers dans son département légal pour être capable de défendre les consommateurs. Le salagrément son paramètre c'est qu'il pour faciliter exchange et coopération le côté training aussi facilite aucun changement dans les formations qui en a le bonne décision protection consommateur et aussi pour aider le nous côté pour nous renforcer sa relation entre nous et l'institution et nous capable discuter de bonnes questions qui peut affecter consommateur pas juste seul mais de la région et possiblement aussi capable aider pour nous faire un joint effort ou sa collaboration pour tackle certains issues qui dépassent nos borders mais c'est possiblement qu'on a les fait nous.
Tribunal National Consommateur Sud-Afrique NCT in des add-on information Commission Commerce 10 ici Cécile. Ça qui concerne problème construction côté contracteur pas délivré travail qu'ils ont in gagné pour faire. Chairman Tribunal National Consommateur Sud-Afrique NCT professeur Joseph Maseko dit que c'est l'accord important pour garder l'information qui passe entre ça de l'organisation. With the current developments in the fourth industrial revolution, which is the IT side of development, no country is bigger than any other now anymore. We are on level ground. As you can see, even the elites that used to be the elites of information are no longer what they used to be. So you can have no monopoly of any information. Sylvie Faure, pour parmi sa quatre officiers d'un département légal qui poil sa formation en zin. Commission qui peut faire l'enquête dans la mort Steve Kahn. Il nous a dit écoute différents du monde, inclus docteurs, officiers prison et membres sans famille, pour ramasser information pour déterminer circonstances son mort. Steve, qui s'en a 41 ans, est mort à l'hôpital Cécile le 21 janvier salonné. Steve Kahn est un habitant Forêt-Noire, Montfleury, il a 41 ans et il peut servir une sentence 5 ans pour vol contre prison montant imposé. Il a admis à l'hôpital le 12 janvier 2018 avec douleur dans les cou et palpitations et il mort 9 jours après le 21 janvier. En son sœur qui est parmi bonne pour donner l'information en cours beau matin, il décrit qu'il mangeait son frère qui tombe dans la drogue et dépend l'eau et l'héroïne même le temps qu'il est dans la prison. Mais il aussi dit que la famille pas gagné formé là est malade et là qui tient le docteur. Suivant la mort Kahn, le président de la République a ordonné une commission d'enquête dans circonstances sur la mort. Saisis Bernadette Renault qui dirige sa commission. Ziz Renault pour continuer à écouter bon les autres dimon pour gagner l'information mardi prochain. La Cour suprême une remande sa officier commission contre corruption qui peut gagner saisir pour demander ancien ministre certaines propriétés pour encore 10 jours jusqu'à le 5 avril. Ziz Mohan Buran qui peut écouter sa cas, une remande sa accusé pour une quatrième fois pour éviter risque qui interfère avec l'enquête. Prosecution indique qu'ils ont une nouvelle évidence contre sa accusé et qu'ils ont pour emmener nouveau sas contre ses officiers. Ziz Buran donne prosecution jusqu'à le 5 avril pour faire procédure pour emmener sa nouveau sas en cours. Entre-temps, le 3 avril, Ziz pour donne date qui a acté contre ses officiers qui pour inclure présente l'évidence et écoute témoin pour commencer. De temps en temps, nous avons une nouvelle ou quelque chose un peu drôle. Hier, tiens ça. Belom, PC, il attrape sa l'espèce zouit. Beaucoup dit qu'il ressemblait à un sous-souris, les fêtes qui sont dans la patte pas séparées. Son bonnet, il aussi, il est un peu drôle, pas pareil zouit qui nous connaît. Alors, si aucun dit mon, il connaît qui c'est ça sa l'espèce, contactez-nous. Des ministres pour dans l'Assemblée nationale demain, premier et ministre pour finance, commerce et planification économique Dr Peter Larose qui pour répondre des questions. Premier sorti co dirigeant l'opposition Wavell Ramkalawan, l'Osaka entre gouvernement, l'association pick-up, l'équipement et camion loué et ça la compagnie chinoise Sino Hydro concernant projet dam Lagog. Deuxième question sorti co dirigeant affaires gouvernement Charles de Comamon, il au coup la vie Cécile. Ministre pour tourisme, l'aviation civile, port et la marine, Maurice Lustolalan, lit pour faire une déclaration à l'Air Seychelles qui pour souligner progrès jusqu'à présent et spécialement concernant bon travailleur qui peut perdre son travail. Toujours le programme travail l'Assemblée demain et mercredi, il y en a trois motions. Membre électé pour plaisance Clive Roucou peut demander gouvernement pour prendre bonne décision nécessaire pour construire un hôpital spécialisé pour Cécélois gagner meilleur service médical ici Cécile même. Motion m'en proportionnée l'on Chantal Guislain, il dit qu'il en a une augmentation de quantité maladie et la mort à cause façon vive, alors l'Assemblée peut demander gouvernement pour sérieusement considérer mettre bonne policy et mesure en place pour encourager population pour adopter un plus bon façon vive. Émotion, membre électé Belazar François Adélaïde, peut demander gouvernement pour mettre en place facilité financière et support nécessaire pour fermier qui a aidé à réduire le coût de la vie et améliorer le standard de l'agriculture.
Satino Bilten, merci. Jusqu'à la prochaine fois.